Ah, il faut d'ailleurs aller au four et au moulin pour les avoir. On vous parlait des techniciens tout à l'heure. Hein. Tous nos hommages d'ailleurs à tous nos techniciens ce matin qui travaillent énormément. À ma gauche, Patient Parfendom, bonjour et bon week-end. Bonjour Steve, bonjour à nos valeureux techniciens. Ce sont les vrais maîtres d'œuvre, n'est-ce pas? Ce sont les guerriers. De cette émission. Je pense que je le souhaite bon week-end par anticipation. Bon, on va obtenir un très bon débat, j'espère, comme d'habitude, ce matin. Ce matin, justement. À votre gauche également, Paul Ken qui est également là ce matin. Bonjour à toute votre équipe technique et bien entendu à tous ceux qui nous regardent depuis leur maison. Et bien entendu, je voudrais également saluer tout le peuple camerounais qui est à l'attente de très bonnes nouvelles parce qu'avec cette situation que nous traversons, on ne doit pas perdre l'espoir. On ne doit pas justement perdre espoir, en tout cas, on continue à garder espoir. Et bien sûr, à ma droite, cette fois-ci, on a également un nouveau qui vient d'arriver dans ce monde. Hein. Kamge Faustin, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve et bonjour à Monsieur Pasteur. Patient Parfendom. Parfendom, oui, que j'ai regardé avec beaucoup d'attention depuis des années à la télé. Et bonjour aussi, surtout à ces enseignants qui, dès lundi, vont reprendre le chemin de l'école avec cette pandémie qui dicte sa loi. Et le métier de l'enseignement, c'est le seul métier réellement qui participe à bâtir la vie d'un homme. Donc, courage à tous ces enseignants qui, dès lundi, vont reprendre justement le chemin des classes, et sans oublier bien sûr les élèves. Eric Pepin-Vicaille, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, bonjour à l'ensemble de mes copanélistes, à M. Poulouken, passé un parfait d'homme, et à vos milliers de téléspectateurs, surtout bonjour, un bonjour particulier aux populations de la Sanaga Maritime, notamment au préfet de ce vaste département. Messieurs, je fais une remarque, hein, c'est que ce matin, vous êtes tous tirés à quatre épingles. Il commence à pleuvoir, il fait un peu friqué. Ouais. Fisqué, bon, on vous comprend. Ouais. On comprend parfaitement que vous mettiez quand même des tenues un peu plus chaudes. Messieurs, avant de commencer d'ailleurs cette édition, nous allons rendre hommage d'ailleurs à la prison centrale de New Bell, hein, qui est partie en fumée hier. D'ailleurs, Patient Parfendom m'a envoyé pas mal d'images concernant d'ailleurs cette prison. On espère que la réalisation pourra nous servir d'ailleurs quelques images pour que nous voyons et qu'ainsi vous donniez également votre point de vue avant d'entrer justement dans le vif du sujet ce matin. Eh bien, le sujet, commençons déjà par la prison centrale de New Bell. Messieurs, vous savez quand même qu'hier, elle est partie en fumée, passée en parfum d'eau. Oui, mais c'est déplorable. Je crois que c'est la énième situation déplorable en ce qui concerne les incendies qui sont déclarés au sein de cette institution pénitentiaire. Je crois qu'il est grand temps. Oui. Très rapidement comprendre des mesures pour essayer justement de faire fonctionner la prison apparemment de PK-17 dont on nous dit qu'elle est pratiquement terminée. Oui. Il faut décongestionner très très rapidement la prison centrale de Bell parce que c'est invivable ce qui se passe là-bas. C'est urgent, c'est très urgent. C'est une prison en fait coloniale, je vous dis à la vérité, dont les statistiques ont complètement explosé par rapport à ce qui est acceptable du point de vue humain. Donc je ne comprends pas pourquoi l'État n'a pas anticipé, ne hâte pas vraiment l'avènement de la nouvelle prison du PK-17 au point de laisser les compatriotes subir ce qu'on a vu hier. Parce que le feu était d'une violence incroyable. On a les langues de flammes qui complètement étaient prêtes à happer ce qui était au niveau des toitures. Vraiment. Pour une fois, s'il n'y a pas eu de mort, s'il n'y a pas eu d'évasion, on peut dire Dieu merci. Mais attention. Même comme j'ai vu un fait communiqué, maintenant je constate que c'est un fait communiqué de la soi-disant ambassade de France qui disait qu'il y a eu des évadés et qu'il faut faire attention. Ça prouve que les réseaux sociaux sont devenus tout n'importe quoi. Mais honnêtement, il faut se dire, la prison est un lieu où, comment dire ça, on va payer sa dette à la société. On paye sa dette. Mais surtout, on se recycle pour revenir à la société avec des intentions vraiment nobles. Mais quand vous vivez ce calvaire que vivent ces prisonniers, je ne pense pas que vous pouvez sortir de là avec des intentions nobles. Au contraire, vous allez vous dire, c'est le moment pour vous de vous venger de cette société qui vous a complètement abandonné, qui vous a envoyé dans un gouffre, un enfer indescriptible. Un mouroir. Voilà. Et puis, c'est ça peut-être qui explique même
que si tu es sorti de prison, on voit certains anciens repris de justice qui reprennent des activités illicites. Messieurs, est-ce qu'on peut regarder d'ailleurs ces images tous ensemble? Je vais prendre quelques-unes de vos réactions, hein, justement, en quelques secondes. Et vous allez justement voir, hein, les prisonniers qui étaient, il faut le dire comme ça, sur les abords. Vous voyez le feu qui est assez violent. Ça, il faut le préciser d'ailleurs, c'était un feu très violent d'ailleurs hier. Du côté de la prison centrale de New Bell, et quelques prisonniers d'ailleurs ont abandonné leur cellule pour se réfugier sur le toit. On a déplore, en tout cas on déplore quelques blessés, et sans oublier bien sûr, hein, de brûler au second degré, même si nous savons pertinemment, comme nous disait d'ailleurs, hein, nos confrères il y a encore quelques instants, qui les ambulanciers en tout cas ont transporté quelques-uns dans les hôpitaux où ils doivent être soignés. Et d'ailleurs le gouverneur de la région du littoral y a mis d'ailleurs les pieds tout de suite après l'incendie, pas moins d'une heure d'ailleurs. Paul Ken, votre réaction? Oui, Monsieur Nkos, je suis vraiment atterré d'apprendre, parce que j'ai passé la journée d'hier à accompagner un de mes amis qui a perdu son épouse, et je n'ai pas été au parfum de cette triste nouvelle. Mais quand il m'arrive de venir ici sur ce plateau, c'est pour venir apporter ma modeste contribution pour que ce qu'on appelle l'humanisme revienne au sein de nos comportements. Parce que nous qui sommes aujourd'hui libres, il est fort possible que demain, peut-être par simple coup de jalousie, qu'on se retrouve de l'autre côté. Et n'oublions pas que parfois, nous qui sommes libres, c'est nous qui décidons d'envoyer les autres dans ce milieu carcéral où les conditions de vie sont très très difficiles. Alors, une prison qui a été construite au temps colonial pour recueillir peut-être 1000 ou 4000 800 personnes qui se retrouvent aujourd'hui avec peut-être 3000 personnes, et que c'est des êtres humains qui continuent à diriger un pays. Ce n'est pas des animaux. C'est incompréhensible. Et curieusement, on constate que ceux qui y sont étaient aux affaires. Ça doit donner une leçon à ceux qui sont encore à l'extérieur et qui continuent à manipuler les choses. Combien ils sont sans jugement. On ne sait même pas pourquoi ils s'y retrouvent. Je crois qu'on doit faire un flashback, un comeback sur nous-mêmes. On se demande, on se pose la question, mais où va-t-on? C'est des êtres humains comme nous. C'est du sang, du même sang qui coule dans leurs veines, comme nous. Mais on parvient à envoyer les gens à New Bell, à Kondengui, pour des années, sans leur donner la possibilité de s'expliquer pourquoi on les a mis en état de détention et dans quelles conditions de vie d'ailleurs ils vivent. Entendons-nous. Vraiment, il faut que l'Africain se juge lui-même, se pose des questions, mais où est-ce que je vais? Parce que quelquefois, on a tendance à me dire que moi, je tape tout sur mes frères africains. Mais j'ai l'impression que l'Africain est le plus gros bourreau pour son frère que les colons de l'époque. Ouais. Comment comprendre qu'une pareille prison détienne aujourd'hui plus de 3000 personnes alors qu'on nous parle d'une nouvelle qui aurait dû être construite depuis? Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est l'argent qui manque pour s'occuper des êtres humains qui ont besoin tout simplement de respirer, de manger comme vous et moi? Même si on est en détention, on doit quand même être traité en tant qu'être humain. Je suis vraiment atterré, hein, de l'apprendre. Je ne sais pas quoi dire, mais que vivement que notre chef de l'État, malgré son âge avancé, qu'il trouve des personnes capables de lui rapporter de bonnes nouvelles. Parce que quand des choses comme ça se passent, les gens continuent à dire que c'est lui qui a placé ceux qui maltraitent les autres. C'est son nom qui est, comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est son nom qui est gâté. Vraiment, je ne pense pas que le président Biya soit absolument auteur de tous ses comportements, mais le fait que c'est lui le chef, on ne manquera pas. On va toujours l'accuser. Voilà. Faustin, vous également, vous êtes d'accord avec cela? Aujourd'hui, la prison de New Bell qui devait contenir, justement, comme le disait Patient Parfum d'Homme, une prison coloniale de 800 personnes. On se retrouve aujourd'hui en 2020. La prison coloniale, elle est toujours là, mais elle regorge plus de 3000 personnes. Bien évidemment, les aînés ont dit des choses extrêmement importantes. Je pense que c'est Victor Hugo qui l'a dit, nul n'a le droit d'ôter la vie à son semblable que seul Dieu a donné. Et c'est dans son livre Le dernier jour d'un condamné, où il fait une description très très approfondie des conditions
de carcérale des condamnés à mort, qui était un problème au 19e siècle. Et je pense qu'après la publication de cet ouvrage, on a aboli la peine capitale. Nos prisons sont désuètes, obsolètes, et ne peuvent plus contenir les prisonniers dans ces conditions-là. Notre grand frère venait de le dire, nous n'avons pas raison de traiter inhumainement nos semblables. Si quelqu'un a commis des fautes, on doit punir cette personne et la prison devrait devenir un lieu de recyclage pour que cette personne, après la prison, paie sa dette, rentre également dans la société et s'intégrer. Il y a tout un processus. Mais lorsque ces enfants sortent de la prison, ils sont encore plus dangereux que jamais. Et dangereux que lorsqu'ils y entraient. Alors, est-ce que la prison joue son rôle? Que non. Et cette prison est située où? En plein marché central. Imaginons en plein cœur de la ville. Imaginons un seul instant que les prisonniers réussissaient à s'évader hier. Qu'est-ce qu'on devrait vivre aujourd'hui? Ça devait être la catastrophe. Ça devait être l'hécatombe, surtout en cette période. Et autre chose, avec la pandémie Covid-19, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a pu déconjectionner cette prison-là? Est-ce que ceux qui sont en attente de jugement, ces innocents, comme on dit vulgairement au quartier, qui sont en prison, qu'est-ce qu'on en fait? Il est temps, vraiment, temps pour nos dirigeants de déconjectionner cette prison et d'utiliser déjà la prison de PK17 et donner à la prison sa fonction première, qu'est de faire recycler et de réinsérer les... Il y a d'ailleurs plusieurs personnes en prison et ils ne savent pas pourquoi ils sont en prison. Il y a plusieurs personnes qui sont en prison qui n'ont jamais été jugées. Ils n'ont jamais vu le juge, ils n'ont jamais vu un parloir. Allez savoir justement ce qui se passe de ce côté-là, Eric Pépin-Bicaille. Oui, si je dois dire un mot, j'ai peur de me répéter. Il faut comprendre que les problématiques des prisons ne se posent pas seulement au Cameroun. C'est une problématique mondiale aujourd'hui, avec les prisons qui sont de plus en plus engorgées. Même en France, ce problème se pose avec acuité. Et la prison centrale de Niobe, comme les copains ont dit, est une prison coloniale, malheureusement, qui est localisée au cœur de la ville. Il peut poser deux ou trois problèmes. Le premier problème est la chaîne de responsabilité par rapport au décongestionnement de cette prison. Mais également interroger la structure du bâtiment. On se rend compte que jusqu'à présent, la prison centrale de Niobe n'a pas de bouche incendie. À côté de ça, on a à peu près deux structures techniques qui auraient dû intervenir hier aussi rapidement. C'est-à-dire la base des sapeurs-pompiers au niveau de Ngoudi, oui, qui est à moins de 5 km de la prison. 5 km, c'est beaucoup. Hein. Voilà. Et le centre régional de l'école régionale de sécurité incendie, qui est une structure qui appartient à la SECNA, qui n'est pas très loin. Je peux dire qu'elle est peut-être à cette école est au moins à 1 km. 3 km de la prison. Vous voyez donc ces deux éléments, lorsque l'alerte a été donnée, n'ont pas été capables de pouvoir encercler le bâtiment et pouvoir maîtriser le feu. Cela se justifie par le fait qu'à cette heure-là, quand l'incendie a pris courrier, c'était une heure de grande pointe. C'est-à-dire le marché central et la cosmopolité de cet endroit étaient hyper saturés. Ça empêchait forcément la progression de ces soldats du feu pour pouvoir maîtriser cet incendie. Bon, vivement que les autorités tirent toutes les conséquences nécessaires et peut-être qu'ils accélèrent le processus de matérialisation de la prison centrale, de la prison secondaire de Ngoma. Parce qu'il faut le préciser, c'est à cet endroit que la seconde prison est localisée. Mais aussi, pour terminer, que ceux qui ont en charge de pouvoir accélérer le processus de condamnation ou de libération des prisonniers fassent effectivement leur travail, parce que beaucoup de nos compères se retrouvent en prison des années durant, vous l'avez si bien signifié tout à l'heure, sans toutefois avoir vu, ne serait-ce que le juge. Hein. Voilà. Or, ça, il faut le préciser. Or, aujourd'hui, à l'envi de Douala, on a à peu près plusieurs juridictions. On a de Côte, on a Bonabéré, on a l'an 2000 à Bonanjo, et puis à peu près 5 juridictions qui peuvent essayer d'établir sur les situations judiciaires de nos concitoyens, afin qu'on puisse se situer sur leur situation. Ceux qui peuvent être libres doivent être certainement libres. Ceux qui doivent être condamnés devraient rester en prison. Et même ceux qui doivent être réinsérés dans un processus d'intégration sociale. C'est tout ce que les associations de lutte contre les droits de l'homme demandent.
Donc vivement que les autorités tirent toutes les conséquences par rapport à cet incendie qui a eu lieu hier. Il ne faut pas également oublier que Paul Nkien nous a souligné encore un autre détail, c'est que jusqu'à preuve de contraire, il y a des gens qui sont dehors comme nous et qui prennent l'initiative, hein, l'engagement de mettre en prison des personnes justement comme nous. Ça c'est vraiment amusant parce qu'il y a pas mal de personnes qui payent pour que d'autres restent en prison. Non, je suis d'accord avec ça, c'est ce qu'on appelle un règlement. Je dis bien payer des millions de francs pour que les gens restent en prison. Ça peut aussi être des règlements de compte pour montrer qu'on est plus puissant que l'autre. Ça arrive régulièrement, ces histoires, on les entend. Mais il faudrait qu'on sorte de cette justice à gage. Je vais laisser la parole à Patient Parfait Noir d'entrer dans le second sujet, sujet qui nous intéresse. Il a longtemps travaillé sur cette question-là. Oui, il y a des problèmes aussi de la philosophie même. C'est quoi punir un citoyen qui est indélicat par rapport aux règles de notre vivre ensemble, si on peut les appeler ainsi? Ça va de pays en pays. Ici, au Cameroun, c'est le tout répressif. Avec des différences incroyables. Regardez bien cette prison. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un quartier VIP qui a été construit, qui lui est plus ou moins bien sécurisé par rapport au reste de, n'est-ce pas, de la racaille, si on peut l'appeler ainsi. Donc, dans la même prison, on voit déjà cette règle de deux poids, deux mesures. Plus on est bien nanti, plus on est logé à bon enseigne, plus on est de la populace, et puis on est livré à soi-même. Nanti, d'ailleurs, à partir de quel revenu? Non, des revenus de la fraude, de la corruption, évidemment, premièrement. Deuxièmement, tout à l'heure, Pépin disait de problèmes de surpopulation carcérale, c'est un problème général, mondial. Mais non, mais il y a des pays où les prisons se vident. Je prends le cas de la Norvège, de la Suède, où il y a des prisons qui sont complètement vidées de leurs occupants, parce qu'il n'y a pas de prison. Même aussi parce que l'État a pris des résolutions, une philosophie de la punition qui n'est pas la nôtre. Avec le nouveau code de procédure pénale, et surtout avec la common law, vous savez que si on appliquait vraiment la common law au Cameroun, plus des trois quarts des gens qui se retrouvent en prison seraient dehors. Mais chez nous, le tout repressif, mais surtout, ce que tu viens de souligner, le fait que c'était un anti, sur un coup de tête, sur une mauvaise humeur, peut décider de faire M. Pépin Bikay un prisonnier. Tout de suite, toute affaire se sente. Parce qu'il a les moyens, parce que c'est au détriment des règles de fonctionnement de la société. Donc je continue à dire que c'est une question de philosophie. Si on peut avoir notre État avec notre philosophie, pourquoi on ne peut pas, pour des faits mineurs, mais prendre par exemple la solution des travaux d'intérêt général. Comment on peut expliquer qu'un jeune qui a volé un régime de plantain se retrouve en prison 5 ans plus tard sans jamais passer devant un juge? Comment vous expliquez ça? Quand vous allez dans les bureaux des magistrats à Bonanjo, je ne sais pas, Wendokoti, vous voyez des piles de dossiers, soi-disant, de gens qui ne sont jamais passés devant un juge. Et pire, il y a des gens qui sont en prison qui n'ont aucun dossier. Ça s'est prouvé. Des gens qui sont en prison et par bonheur, si les chanceux, un jour le procureur passe dans la prison, dit-toi, quel est ton problème? Il dit, mais monsieur le régisseur, ce monsieur, il n'a même pas de dossier. Comment il a fait pour se retrouver en prison? Il y a mille et mille cas comme ça qu'on connaît. Donc, comme disait Paul, c'est aux responsables de cet État de prendre la mesure de la chose. Parce que c'est une injustice qu'on ne peut pas expliquer. Injustice d'abord, parce qu'ils sont, en tant que citoyens libres au bas de l'échelle, ils n'ont pas accès à toutes ces possibilités qu'ont les autres de braquer les caisses de l'État. Et deuxième injustice, quand ils se retrouvent là-bas pour avoir commis un forfait, ils sont dans des conditions incroyables. Moi, je travaillais avec le docteur Amougou, je me le disais, pour la création d'associations de personnes vivant avec le VIH. Quand vous rentrez dans la prison là, si l'enfer est pire que cette prison, ça veut dire que bon, il y a quelque chose d'autre. Je vous assure qu'il y a des choses incroyables que vous ne pouvez pas vous imaginer en prison. Sans compter que maintenant, le cas des mineurs. Les mineurs qui sont mineurs. Il y a même des enfants qui naissent dans cette prison. C'est pas possible. Il y a des mineurs qui partagent pratiquement les mêmes cellules avec des adultes, avec toutes les dérives et les vices que vous pouvez bien vous imaginer. Vivement, il faut qu'une réforme de l'administration pénitentiaire, des lieux de détention carcérale, pour que enfin, comme le disait Paul Kinja, aimé sur ce vocable, qu'on humanise vraiment les conditions de détention dans notre pays. Ah, les prisonniers, en tout cas, sur les toits. Vous voyez ces prisonniers sur les toits. C'est vraiment incroyable. C'est incroyable. Un spectacle désolant. Digne des milieux de la On se croirait au Brésil, des prisons de gangs au Brésil. C'est pratiquement la même image avec les pays de l'Amérique latine.
Vraiment bizarre. Messieurs, nous allons entrer dans notre second sujet. Hein. Après les pleurs, on va essayer de continuer, en tout cas avec les pleurs. Ça, il faut le préciser. À quoi nous servent justement les fonctionnaires? À quoi servent les fonctionnaires? À quoi servent justement ces personnes qui sont dans les bureaux d'État bien climatisés? À quoi servent-ils réellement? Messieurs, on a vu encore, il y a encore quelques jours, Pascal Pierre, dans une grande vidéo, expliquer pas mal de choses. Il a payé un bac, un bateau. Il veut bien sûr que ce bac serve aux Camerounais pour les traverser d'ailleurs sur les rivières et sans oublier les fleuves. Malheureusement, ce bac, ce bateau, est coincé en Allemagne depuis un an et demi. Pourtant, les autorités camerounaises sont au courant de la chose, mais bloquent entièrement et totalement, il faut le dire comme ça, il faut le dire, la solution à ce problème. En tout cas, nous allons l'écouter juste un petit peu et nous allons revenir sur ce plateau. Pense du bien du Cameroun, comme la plupart des personnes comme moi, peut-être qui ne sont pas visibles, qui pensent du bien du Cameroun, les personnes de la diaspora. Oui, 98%, je crois, des fils et filles du Cameroun, de la diaspora, pensent du bien du Cameroun, travaillent et réalisent des choses pour le Cameroun. Oui, faut pas jeter la pierre aux fils et filles de la diaspora. Non, je suis pas d'accord. Parce que chaque année, quand moi je rapporte en conteneur de matériel, de soins, dans les hôpitaux. C'est des valeurs, je pourrais vendre, ça me rapporterait 100 millions, mais je donne gratuitement. Allez-y à Ifulan, demandez-leur le cabinet dentaire qu'ils ont reçu, qui soigne depuis 4 ans aujourd'hui. Près de 3000 à 4000 personnes sont passées là, ont été soignées. Demandez-leur qui leur a offert cela gratuitement. Demandez dans les hôpitaux, et notamment il faut là, le bloc respirateur là, dont on parle aujourd'hui, qui sauve des vies. À l'époque, il n'y en avait que 7 au Cameroun. J'en ai donné 2, gratuitement. Et depuis lors, ça a sauvé plein de vies. Est-ce que je me suis présenté à une élection pour être député? Non. Je ne le fais pas pour ça. Est-ce que je me suis présenté à une élection pour être maire? Non. Je ne le fais pas pour ça. Est-ce que j'ai besoin que mon nom soit? Non. Par mon travail d'homme de médias et d'événementiel, j'ai mon nom depuis 25 ans. Parce que je fais bien mon travail. Dans mon travail, dans mon job, je fais partie des meilleurs. Parce que je bosse dur. Mais je me suis engagé dans l'humanitaire parce que je me suis dit que là, il faut agir pour le développement de notre pays. Je parle d'un projet. Ce projet. Ceci est un bateau. Regardez-le bien. Regardez. Un bateau. Bac. Il peut transporter 200 personnes par traversée et 6 voitures. Ça fait un an et demi que j'ai eu ce bateau gratuitement par une mairie en Allemagne. Je me suis dit que nous sommes dans le septennat des grandes opportunités que le président de la République lui-même a dit. Allons-y, cherchons des opportunités, j'en ai trouvé. Depuis un an et demi, ce bateau traîne. Il traîne dans le port allemand. Monsieur le ministre, le Mindevel, très diligent. Le directeur du FECOM, super diligent. Et je voudrais les saluer, rendre hommage à ces personnalités qui, en très peu de temps, ont débloqué de l'argent pour ce bateau, ce projet de bateau. Mais qu'est-ce qui se passe depuis un an et demi? Quelques fonctionnaires sont tapissés dans le coin, bloquent ce projet parce qu'ils veulent avoir leur part d'argent là-dedans. Mais bon Dieu, alors qu'il y a au moins 10 territoires camerounais qui sont coupés du bloc central, dans la Sanaga maritime, au littoral, à l'est, ce bateau devait aller à l'est. Les Allemands m'ont dit, si dans un mois, le Cameroun ne répond pas favorablement, ne vient pas chercher le bateau, ils vont le donner aux Polonais. Ça fait un an et demi que j'essaye de bloquer ce projet-là pour dire aux Allemands, pardon, attendez, oui, on a eu des petits retards, ceci, il y a eu des élections, on va voir comme ça. J'ai écrit, fatigué, pour essayer de tamiser. Un an et demi pour venir juste porter ce bateau-là, le transporter, puisqu'il est gratuit, on donne gratuit. J'aurais pu le donner au Congo, le vendre au Congo même, et me faire de l'argent. 300 000 euros. Ce bateau vaut 500 000 euros. Oui, j'aurais pu le donner. J'aurais pu.
J'aurais pu même le vendre au Cameroun, parce que les gens m'ont dit, vends-le au Cameroun, pourquoi tu viens donner gratuit, tu veux, tu es Jésus-Christ. Je ne l'ai pas vendu, j'ai donné gratuit. Et vous ne voulez pas que je sois offusqué, parce qu'il y a 4 ou 5 petits fonctionnaires que je vais appeler ici, parce que ma bonne éducation ne me permet pas de dire un certain nombre de choses. Je vais appeler les zouaves. J'aurais pu utiliser un autre mot, mais par la colère, mais je vais dire qu'ils sont gentiment des zouaves. Ce n'est pas possible, ça. Et vous voulez que les gens restent là, ne disent pas un certain nombre de choses. Qui n'a jamais subi des micmacs d'un policier, les micmacs d'un fonctionnaire dans l'administration? Ces choses-là, il ne faut pas applaudir quand ce n'est pas bon. Faut pas applaudir. On se bat pour participer au développement. Et il y a des oeufs comme ça qui sont tapissés dans le coin, qui disent oui, bon voilà, parce que nous on a le pouvoir du BIC, on va bloquer parce qu'il nous faut de l'argent, parce que nous on va aller construire nos maisons dans les villages. Ce n'est pas possible. Et vous ne voulez pas que les gens se développent, parce que ne dit-on pas souvent que là où la route passe, le développement suit. Vous ne voulez pas que le Cameroun se développe. Alors moi je voudrais dire, si dans un mois, messieurs, mesdames, le Cameroun va perdre ce bateau parce que les Allemands, ils ont supporté déjà, j'ai supplié les Allemands. Dans un mois, si vous ne réagissez pas, ce bateau va aller en Pologne. L'argent est débloqué depuis 1 an. Le directeur du FECOM a été diligent. Mais certains zouaves là qui sont dans des commissions de marché public ou des gens, ils se disent même que oui, non, nous on mange quoi là-dedans? Mais regardez-moi la pensée des gars en 2020. Voilà comment le Cameroun ne peut pas progresser parce que il y a des brebis galeuses dans le système. Et elles sont nombreuses, ces brebis galeuses. Moi, je ne suis pas d'accord là-dessus. Je fais des sacrifices. Chaque année, je fais venir un conteneur de matériel à chaque fois. Et grâce à la diligence... Messieurs, le ministre du Développement urbain a aidé Pascal Pierre, le directeur du FECOM l'a également aidé, mais pendant ce temps, il y a quelques personnes qui ne veulent pas justement voir ce bac arriver sur le triangle national camerounais, Paul Kane. Oui, ma première réaction est de saluer le patriotisme de M. Pascal Pierre, qui pendant qu'il excelle dans son métier à l'extérieur, pense à rapporter quelque chose à son pays qui l'a vu naître. Parce que ce genre d'action, pour moi, c'est ça du vrai patriotisme. Pas celui de ce qu'on voit quand les élections arrivent. On voit des gens se pavaner partout avec les images du chef d'État qu'ils critiquent juste après les élections. Parce qu'en réalité, ceux qui disent qu'ils soutiennent le président, c'est des gens qui viennent tout simplement pour essayer de profiter de l'image du président. Voici un compatriote qui est parti supplier les Allemands et qui a obtenu quelque chose qui pourrait éventuellement soulager les populations camerounaises prises en difficulté pour leur mouvement, en tout cas pour pouvoir circuler dans des zones où il n'y a pas de route et où traverser un fleuve est difficile. Quelques fonctionnaires qui en réalité n'ont pas plus de mérite que nous autres estiment que tant qu'ils n'ont pas eu leur magot, le bateau... Ils ne peuvent pas accepter le projet. Je tiens également à saluer ce ministre et le directeur du FEICOM. Ce n'est pas tous les jours qu'on a ce genre de personnes qui comprennent qu'il faille, à leur niveau, apporter une solution rapide quand un compatriote. Et ce n'est pas le seul cas. Les cas sont légion, ça il faut le préciser. Il y a un médecin. Patient parfait, donc on a des cas comme. Il y a un médecin jamais de la vie. Aux États-Unis. Docteur, il y en a des cas extraordinaires, alors allez savoir. Si il fait tous les Camerounais qui existent. Des conteneurs de matériel, des lits, mais impossible de les dédouaner. Parfois, ça pourrit au port. Qu'est-ce qui ne va pas dans le système? Je ne veux pas rentrer dans cette logique de critique systématique. Mais je voudrais encore une fois de plus, je n'ai pas la possibilité comme les autres d'aller voir le chef d'État parce que en réalité, j'ai toujours pensé que moi, je n'ai pas le droit de critiquer mon chef sur un plateau de télévision. Mais je n'ai pas la possibilité non plus d'aller lui souffler à l'oreille que monsieur le président, voilà
ce que le peuple pense. Voilà ce que vous pouvez apporter comme solution. J'interpelle si jamais il pouvait être en train de regarder une émission comme celle-ci. Qu'il sache que parmi ses compatriotes, il y a ceux qui ont des informations qui peuvent aider à ce que son mandat ne soit pas celui où on dit mais il y a eu plus de déclarations que de réalisations. Ça, c'est mon credo. Pasteur Parfendome, ce n'est pas la première fois, hein. Il faut le dire d'ailleurs, qu'il y a plusieurs Camerounais qui viennent de l'extérieur, même des Camerounais, même du terroir, qui ont besoin de changer les choses, même au sein de notre nation. Mais malheureusement, on ne leur donne pas du tout cette opportunité. Il y a toujours des personnes qui bloquent leur dossier quelque part. À la suite de Paul Nken, commençons d'abord par féliciter Pascal Pierre et lui dire de ne pas se décourager. Et à la suite, de dire à de nombreux Camerounais de continuer d'avoir cet esprit patriotique, parce que c'est seulement comme ça que nous allons finir par tirer notre société vers le haut. C'est très difficile ce témoignage. Je crois que l'amertume qui se lit, n'est-ce pas, à travers ce récit, on a presque envie de pleurer. Parce qu'on se rend compte que malgré le fait que nous sommes ce que nous sommes, il y a certains d'entre nous qui ne comprennent pas le sens de ce que c'est être au service d'un être humain. Nous n'avons de valeur que parce que nous sommes au service de notre semblable. Si nous ne sommes pas au service de notre semblable, on est comme un animal, on est comme... Même les animaux sont mieux que nous. Parce que les animaux s'entraident, il y a des animaux qui ne vivent que de manière grégaire. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Et c'est pour cela que j'ai souri un peu quand Paul parlait. Il faut remonter aux racines du problème. Dans tous les pays, ça ne se passe pas comme ça. Dans d'autres pays, les gens, au contraire, ils font tout et tout pour ramener le maximum qu'ils peuvent ramener chez eux. Qu'est-ce qui peut expliquer que chez nous, au Cameroun, et dans d'autres pays africains qui ont apparemment le même ADN que le Cameroun, les choses se passent comme ça? C'est parce que dans ce pays dans lequel nous vivons, la fondation de ce pays a été bâti avec un ADN bien précis. Nous sommes dans un État où on pratique ce qu'on appelle le tribalisme d'État. J'appelle ça les quatre piliers de cet État. Le tribalisme d'État, le mensonge d'État, la corruption d'État. J'insiste sur la corruption d'État, dont Pascal Pierre vient d'être une victime. Et puis, ce que j'appelle la violence d'État, parce que c'est un autre type de victime. Ce gars, il peut mourir d'un AVC. De savoir que vous avez tout fait. Vous êtes allé supplier des gens qui vous ont donné quelque chose qui peut être utile. Au service utile. Et parfait, surtout qu'il n'a même pas d'ambition politique. Il aurait pu devenir un homme politique dès lors qu'il a offert un plateau technique pour soigner les dents. Il n'a jamais demandé quoi que ce soit. Il demande juste à aider. Alors c'est une culture au sein de notre administration. On parle des fonctionnaires. C'est une culture. Dites-moi dans quelle administration vous pouvez aller, c'est-à-dire que vous pouvez vous présenter et demander un service et on vous le rend avec une célérité pas possible et sans demander. Avec le sourire. C'est très rare. C'est très rare. C'est presque inexistant. Partout, dans tous les domaines. Pourquoi? C'est devenu une culture parce que l'État fonctionne comme ça. L'État lui-même fonctionne comme ça. Quand vous avez vu, c'est ce que vous ne savez pas. Vous avez vu les gens dire, bon, ok, vous voulez boycotter les élections. Moi, je dis, ceux qui veulent venir aux élections, voici l'argent. C'est la corruption. C'est la corruption. Quand on vous dit, pour être candidat à une élection, on passe d'un montant X à un montant Y, mais on le démultiplie de manière exponentielle. C'est quoi? C'est la corruption. On écarte. On demande aux gens de venir se mettre à genoux. De dire que papa, à bec, vous savez que notre État a subventionné certains candidats. Et c'était une candidature. Tout à l'heure, on parlait de politique dans votre chronique. Donc, je suis extrêmement choqué ce qui se passe. Alors, les experts viennent nous expliquer que non, vous savez, c'est un truc très délicat que vous ne maîtrisez pas. Il y a certains bateaux qui ont des problèmes d'amiante, Mais organisez donc un comité ou bien un département. Ce n'est pas la première fois quand même, patient parfait, donc qu'on utilise un bac au Cameroun. C'était le cas, par exemple, à Macaque, où on utilisait le bac. Mais il n'y a pas que Macaque, de côté Natchigal là-bas. Les gens utilisent le bac de côté. Ces bacs ont disparu aujourd'hui, il faut le préciser. Mais dans le BAM, il y a encore des passages où il faut absolument avoir un bac pour pouvoir passer. Surtout en saison de pluie, parce que les eaux montent. Même dans la Haute-Sanaga. Dans la Haute-Sanaga, il faut ces bacs-là. Donc si les gens trouvent des raisons, disent, ah, attention, on n'est pas sûr de la composition du bateau et du bac, mais envoyez une commission d'experts là-bas, évaluer si le bateau est un bateau à risque.
Mais sinon, qu'est-ce qui peut expliquer que depuis plus d'un an et demi que le gars a eu l'acquisition gratuitement de ce bateau? Enfin, où il a presque eu tous les OK. On a même un chantier naval ici qui a une expertise avérée. Avérée? Qu'est-ce qui se passe? Oui, on a un chantier naval en plus, ici au niveau de Douala. Qui peut nous dire, oui, le matériau avec lequel le bateau a été construit peut comporter des risques de X, Y. Parce que ça va être ça, l'argument de ces fonctionnaires bientôt pour justifier pourquoi ils n'ont pas été sélectifs quant à le transport de ce bateau vers le Cameroun. Donc il n'a plus qu'un mois. Je continue de dire à Pascal, Pierre, parce qu'on pourrait dire quand même qu'il a pu faire venir d'autres matériaux, il a dit qu'ils sont arrivés sans encombre, mais nous sommes là face à une question de ce que j'appelle qui fait partie de l'ADN de notre État et dont les fonctionnaires ont fait, cet ADN est chevillé au corps des fonctionnaires. Et parmi les éléments, les piliers de cet ADN-là, c'était la corruption d'État. Vous venez avec un projet. Le gars vous dit, d'accord, je vais bien, mais moi, j'aurai combien là-dedans? Incroyable. Qu'est-ce que moi je veux? Quel est mon intérêt de valider un projet? Alors, Pascal Pierre l'a d'ailleurs dit. Donc, donnez-moi d'abord ma part ici, avant de voir. Vous êtes au niveau... à l'heure où je vous parle là, il y a des amis qui m'appellent, ils me disent, bon, je ne veux pas citer les noms. Ils ont fait des prestations de services au niveau des prestataires de services, les marchés publics. On dit, maintenant, il faut le payer. Ils vont au ministère des Finances. On dit, monsieur, pour quand vous payez, vous nous donnez d'abord 30%. Mais le gars, il dit, je vais prendre les 30% là. Payez-moi au moins, on va voir si on peut boire une bière ensemble. Il dit que non, vous déposez d'abord les 30% avant qu'on ne signe la procédure de décaissement. Quel est ce pays? Quand vous le dites, les gens vont vous dire, ah, mais tout le monde, nous sommes tous pourris. Non, je dis qu'on n'est pas tous pourris. Le Cameroun a un problème à la naissance. C'est que, quand je parle de purger le contentieux historique, notre État est né dans la violence. Il est né dans la corruption. Il est né dans le tribalisme de l'État. Il est né dans ce quatrième pilier que j'ai appelé ici le mensonge d'État. Parce que c'est un gros mensonge d'État aussi, cet État. C'est ça qui est le monde dans lequel la plupart de ces fonctionnaires-là ont grandi. Maintenant, comment sont recrutés les fonctionnaires? Paul Ken disait que s'il y a des gens qui ne sont pas fonctionnaires, mais qui auraient pu l'être. Allez bien voir. Sûr. Comment les gens font pour avoir des concours? Les gens achètent des concours, vous l'oubliez? Moi, j'ai vu un inspecteur de police qui m'a dit... Parce que vous avez acheté un concours, il faut que vous soyez remboursé. Il m'a dit, j'ai casqué 1 million pour avoir ce concours. Donc, il faut que je me fasse rembourser. Les gens, pendant les élections, qui soudoient de gauche à droite pour être maire, député, etc., etc. Quand ils sont là-bas, c'est pour faire quoi? Ils se remboursent d'abord avec intérêt, avant de voir si on peut faire quelque chose pour le peuple. Les gens qui... Le financement des micro-projets, là, hein, c'est combien par an? 8 millions. 8 millions. Dites-moi combien de députés, en réalité, ont exécuté ces micro-projets. L'argent qui a été décaissé, qui est dans leur poche. Ils ont fait quoi? Il y a des gens qui ont fini toute une mandature avec même des bonus, sans avoir acheté même une aiguille pour sa communauté. Et tout le monde voit ça, ça passe. On trouve que c'est normal. Ça devient dans une culture camerounaise. On va vous dire, la chèvre broute là où elle est attachée. Alors, quel est ce pays-là? Donc, à Pascal Pierre, et l'ensemble de nos frères qui sont au niveau de la diaspora, ne vous découragez pas. Un autre Cameroun est possible, on se bat pour cela. Ça, je peux vous le garantir. Un autre Cameroun est possible. Mais surtout, cet esprit-là, de l'amour pour votre pays, ne l'abandonnez jamais. Quelles qu'en soient les difficultés, de toute façon, on n'a pas notre choix. N'est-ce pas? On dit que le sein de ta mère, hein, même si ça a des, même si elle avait la gale, vous êtes obligé de têter ce sein. Donc, c'est ça notre pays, malheureusement. Et maintenant, comme vous l'avez d'habitude de dire, pour sortir, on ne veut pas jeter nos frères fonctionnaires dans la fosse, en enfer, je ne sais pas, dans la poubelle. Tous ne sont pas mauvais. Mais il y a quelques-uns qui quand même, oui. Quand même, on en a marre d'écouter ces récits tous les jours. Lui, là, il a le courage de dénoncer, de dénoncer par le biais de cette vidéo. Mais beaucoup... Parce qu'il est acculé, hein, il ne lui manque qu'un mois. Mais, bien oui, mais il a quand même eu le courage. Beaucoup, tu lui as dit, est-ce que tu peux venir sur un plateau pour... Il dit que non, moi, je ne veux pas de problème. Lui, là, il a pris son courage à deux mains pour le dire. Au moment où on fustige certaines déclarations de certains membres de notre diaspora, il faut aussi qu'on regarde comment sont traités ces membres positive, de cette diaspora. Justement. Donc je dis à Pascal Pierre et surtout à d'autres Camerounais qui sont dans son sillage, n'abandonnez jamais. Continuez à faire ce que vous êtes capable de faire pour soulager les difficultés de vos frères restés au pays. C'est ça, l'essence, le carburant qu'ils vont continuer de faire prospérer et naître le patriotisme dans le pays.
Kamge Faustin, je vais me tourner vers vous. À un moment donné, on a l'impression aujourd'hui que les personnes qui ne veulent pas justement le développement des pays africains, ce sont les Africains eux-mêmes. Même pour le peu qu'on pourrait faire, ils ne le font pas. Effectivement, c'est l'impression que nous avons aujourd'hui. Et je pense que Patient Pafendom est revenu là-dessus. Le problème de Pascal Pierre, qui est une valeur sûre dans son domaine au Cameroun, et que notre société doit déjà commencer par reconnaître ses valeurs. Les gens qui par la force du travail, ont réussi à se faire un nom. On doit déjà commencer à reconnaître ça. Nous devons saluer la magnanimité et son humanisme. Parce que réussir, c'est aussi montrer la voie aux autres. La Chine s'est développée en partie grâce à l'effort de sa diaspora, qui faisait entrer en Chine des milliards. Ce problème pose un réel problème dans notre pays, le problème de l'incompétence de nos fonctionnaires. Et pourquoi cette incompétence? Il y a ce machin qu'on appelle l'équilibre régional. Ça dit que ça met à côté carrément ce qu'on appelle la compétence. Je ne veux pas fustiger les autres, mais je dis un pays sous-développé devrait prévaloir la compétence. On est bon, on passe. On n'est pas bon, on reste. Il l'a dit tout à l'heure aussi, on marchande les concours. C'est quelqu'un qui a acheté le concours à 4 millions. Par exemple, aujourd'hui, l'école normale et bien d'autres concours, on achète presque à 3 millions de francs. Pensez-vous qu'il aura l'amour pour les enfants qu'il va enseigner? Non, il veut d'abord chercher comment faire. Pour se rembourser, comme Patient Pafendom a déclaré. Voilà, et autres. Autre point de vue très important, c'est la gestion. Dans le management, on nous enseigne que gouverner ou administrer, c'est prévoir. C'est décider. C'est aussi contrôler. Oui, le ministre a décaissé de l'argent. Monsieur le FECOM a suivi tout ça. Mais est-ce qu'ils ont contrôlé? Qu'est-ce qui a suivi dans ces ordonnances? Les deux personnes qui ont été citées, ouais. Ce n'est pas leur domaine, il faut bien préciser. Quand bien même. Donc il faut suivre lorsqu'on accompagne un tel projet. Lorsque la route passe, le développement suit. Les infrastructures, quand on peut permettre à la population de se mouvoir aisément. Le développement peut passer. Ce bac peut permettre, peut-être, je ne sais pas moi, dans la Sanaga maritime, à faire revenir rien que les plantains dans nos villes et pour pouvoir nourrir la population. C'est un problème extrêmement grave. Et ce n'est pas le seul cas. Il y a des médecins, il y a des hommes d'affaires qui ont tellement d'amour. Ils ont tellement à offrir à leurs cadets restés au pays, mais qui n'ont pas la possibilité. Et le problème, c'est les Camerounais ou les fonctionnaires camerounais travaillaient comme si... Ils se disaient qu'ils ont loué ce pays et qu'un jour, ils vont partir ailleurs. Ça pose réellement, comme je l'ai dit, le problème de l'incompétence. Et on n'est pas là par conviction, on n'est pas là par amour, on n'est pas là parce qu'on a choisi, on est là peut-être parce qu'on n'a pas pu avoir le concours X et peut-être on a eu la porte d'entrée pour le concours Y. Et lorsqu'on s'y assoit, on dit non, je vais d'abord me faire rembourser et puis bon, on va voir. On va voir après ce que je pourrais faire. Ouais, ouais. Donc c'est ça. Eric Pepe Mikaï, où est donc passé aujourd'hui l'amour de la patrie? Oui, l'amour de la patrie est passé justement dans cette hypocrisie qui régit un peu le fonctionnement de l'État, parfois a si bien dit. Nous sommes dans deux approches sur lesquelles je veux revenir, c'est-à-dire la corruption d'État et puis le mensonge d'État. Voyez-vous, le mensonge d'État est beaucoup plus alimenté par un certain nombre de personnalités d'une compétence intellectuelle assez avérée. Et là, ça me revient justement l'ouvrage de Pascal Boniface, intitulé « Les intellectuels faussaires ou le triomphe médiatique des experts en mensonges ». C'est un livre qui peint un peu l'attitude d'un certain nombre d'intellectuels qui parviennent à démontrer par l'absurde, même ce qui est visible et palpable. Et ça, ça cause un problème pour nos sociétés et c'est légion, notamment dans les pays francophones d'Afrique. L'autre volet, c'est la corruption d'État. Parce qu'il ne faut pas oublier que la plupart des fonctionnaires, oui. Il y a un peu une sorte de stigmatisation des citoyens. Parce que le citoyen qui n'est pas fonctionnaire, mais qui peut avoir les capacités intellectuelles largement supérieures à haut fonctionnaire. Parce que le fonctionnaire, c'est quoi? C'est celui qui doit encadrer. Et il encadre selon un certain nombre de règles et de principes qui sont édictés par la société, c'est-à-dire par la constitution. Son rôle, c'est de s'assurer à chaque fois qu'il a face à un problème, est-ce que cela respecte les règles qu'on s'est fixées? C'est tout le rôle d'un fonctionnaire. Et en réalité, il devrait être prédisposé à des capacités intellectuelles largement supérieures à ceux de ces examinés, c'est-à-dire les gars de ceux qui constituent la communauté. Ce n'est pas toujours le cas. Ça veut dire que la corruption d'État s'est installée dans le fait que chacun reste à sa position et broute là où elle est.
J'évoquais par exemple ici mardi le rôle des sous-préfets en ce qui concerne les litiges fonciers dans les zones rurales. Et j'ai évoqué un cas école, la commune de Loubadiek dans la Sanaga maritime. Et c'est juste une kaléidoscopie de ce qui existe. C'est-à-dire que au lieu que les sous-préfets s'occupent à encadrer et à limiter même les ventes foncières, parce qu'en réalité les familles ils participent parfois à déposséder les familles de ce qui les reste comme patrimoine. Parce qu'en réalité la terre n'appartient pas au père. Comparativement à ce qu'on dit, la terre appartient à l'embryon qui n'est pas encore arrivé sur terre. Ça veut dire que si le mec arrive et qu'il ne trouve pas là où il peut poser, ça ne sert donc à rien qu'il soit arrivé. Il faut qu'il parte de là. Donc, si les autorités arrivent et trouvent ce type de situation, ils doivent immédiatement cesser d'encourager ces pratiques. Et aller ici dans le, à Loubadiek, et voyez ce qui s'y passe. Et voyez le rôle des autorités nommées sur place. Les gars piquent pratiquement les populations. Les autorités n'ont plus absolument rien. Ils n'ont voilà. plus de terre. Et puis, on a saisi le préfet de la Sananga Maritime par rapport à cette question pour qu'il essaie un peu d'y jeter un coup d'œil afin que les souffrances des populations. S'il lui sera pas complice. Les souffrances des populations puissent s'amenuiser. Maintenant, on revient sur le cas Pascal Pierre. Moi, j'ai eu un poste hier d'Albin Guidjol sur la question parce que j'ai envoyé cette vidéo. Il me dit au départ, le projet était destiné à la commune de Ngoïla. Je pense que c'est dans la Kadéa à l'Est Cameroun. Mm-hmm. Pascal Pierre est un gars du centre. Ça veut dire que s'il demande un bateau pour servir les populations de l'Est Cameroun, afin qu'ils puissent rejoindre les deux rives, c'est ça le patriotisme. C'est-à-dire que le mec ne regarde pas que, ok, j'ai un projet qui peut servir immédiatement les populations de mon village. Il faut à tout prix que je trouve, j'insère ce projet dans mon village. Le mec va au-delà de ses entrailles, là où ses ancêtres sont, et il propose un projet comme ça à la commune de Ngoïla. Mais il y a un fonctionnaire qui écrit en disant que non, c'est le résultat d'un jumelage entre la commune de Ngoïla et puis les communes en Allemagne, mon œil. Quel est le fonctionnaire communal qui peut avoir l'intelligence de faire un joint venture avec une commune en Allemagne? C'est impossible. Ça n'existe pas. Parce qu'en réalité, dans les communes rurales, il n'y a que le maire, accessoirement ses adjoints, qui peuvent écrire et lire les textes administratifs. Donc, Pascal Pierre a posé cet acte-là. Et ça pose un problème. On a traité de questions de la diaspora ici. Et on parlait de la diaspora utile. Par opposition à la diaspora nuisible. Mais attention, cette diaspora utile peut se radicaliser et devenir une diaspora nuisible. Et là, nous-mêmes, nous aurons posé les piliers de leur radicalisation. Ils sont nombreux à tourner le dos définitivement au Cameroun à cause de ce comportement des fonctionnaires véreux, comme lui-même il l'appelle des zouaves, c'est-à-dire des mecs qui ne veulent pas bosser et qui veulent profiter du travail, de l'intelligence, de ceux-là qui ne dorment pas et qui se tournent les pouces, le cerveau, pour offrir un bien-être à leurs concitoyens. C'est de ça qu'il est question, il faut le dénoncer. Aujourd'hui, on va dire le chef d'État, on ne peut pas tout mettre sous les épaules du chef de l'État. Individuellement, les gars doivent passer à la guillotine. On doit les auto-évaluer. Il faut qu'on arrête ça. Quand le chef de l'État donne une responsabilité à quelqu'un, cette personne a le droit de présenter les résultats positifs. Un sous-préfet qui gère un arrondissement, l'arrondissement n'est pas géré par le chef de l'État. Excusez-moi. Le Cameroun est subdivisé à peu près en 4 unités spatiales. C'est-à-dire l'arrondissement, le département, la région et puis l'État. Le chef, lui, gère l'État. Et il donne, délègue les responsabilités à des personnes de manière discrétionnelle, en fonction de ses humeurs, oui. Mais ces gens-là ont le droit de présenter des résultats. Malheureusement, on ne voit pas les résultats avec lui, Pépin Bikay. Paul Ken, jusqu'à preuve de contraire, il y a ceux qui aiment réellement leur travail. Il y a ceux des fonctionnaires qui aiment énormément leur travail. Mais lorsqu'ils commencent à faire très bien leur travail, il y a ceux qui n'aiment pas leur travail, qui commencent à les menacer. Et parfois, on leur donne des sanctions. On les met à l'écart. Oui, vous interpellez là le problème de l'impunité. Et malheureusement, vraiment, je suis toujours mal à l'aise quand je dois en parler. Vous ne pouvez pas être à la tête d'un pays et laisser les gens se comporter comme ils l'entendent. Il faut absolument punir, guillotiner. Quand on est chef d'État, et d'ailleurs, pour ceux qui ont lu les écrits de l'Italien qui a tout quoi que Machiavel. Machiavel. Mais
l'État, c'est ça. Il n'y a pas de sentiment parce qu'il faut les résultats. Alors, moi, je n'arrive pas à comprendre que aujourd'hui, chacun fait comme il entend. Les gens qui s'appellent fonctionnaires viennent au bureau. Parfois, c'est à midi. À 14h, il est reparti. Et à la fin du mois, il va prendre ce qu'il appelle salaire. Il attend le 23. Hein. Dès que le 23 arrive, il est déjà payé. Aujourd'hui, dans notre pays, quand vous entrez dans un bureau administratif pour demander un service, si on ne vous a rien demandé, vous êtes même surpris. Et vous posez des questions jusqu'à sortir de la barrière, si on ne va pas vous rappeler pour vous dire que, mais attention monsieur, mais comment vous pouvez partir sans laisser quelque chose? C'est en train de... Ce genre de comportement nous discrédite aux yeux du monde extérieur. C'est pour cette raison que quand vous avez la possibilité de vous retrouver avec les Occidentaux, ils vous rappellent que, mais attention, vous dites que c'est nous le problème. Mais entre vous, qu'est-ce qui se passe? Et vraiment, vous êtes complètement ramené à votre simple expression. Vous ne pouvez même plus parler plus fort. Alors que vous avez des arguments qui prouvent que eux aussi nous donnent des coups plus dangereux encore. Mais eux, ils parviennent à vous démontrer que telle chose. Je me suis retrouvé un jour avec un fonctionnaire, un expert du pétrole, qui me parle de la Sonara, de l'usine de Sonara à Limbé. Le gars a travaillé à Total à Paris. Il me dit qu'ils se sont retrouvés à la pause de midi en train de prendre le café et Christophe de Magéré qui est mort. Le grand Christophe. Pendant que il avait identifié que ce Camerounais-là était tous les jours en train de se plaindre qu'on a vendu une mauvaise usine au Cameroun. Il a appelé que viens me retrouver dans mon bureau. Il lui a sorti le vrai dossier de l'usine. Il dit que c'est vous, les compatriotes camerounais, qui avez décidé que non, il faut changer parce que vous voulez recevoir une partie de l'argent dans vos poches. Le gars était dépassé. Donc, nous, les compatriotes camerounais, revenons au vrai sens, au vrai amour de notre propre pays. Personne d'autre, aucun Français, aucun Allemand ne viendra le construire mieux que nous. Il nous appartient parce que on nous a dit en 1960 que nous avons accédé à l'indépendance. C'est vrai. Ceux qui ont côtoyé Oumnioba à l'époque nous disent que l'indépendance reste accrochée quelque part et qu'il faille aller la décrocher pour accéder. Et moi, je le dis tous les jours, à l'âge où je suis, je ne serai plus jamais fonctionnaire, mais je dis à ceux qui sont encore nos enfants, vous pouvez travailler pour notre pays sans avoir à vous enrichir de manière illicite. S'il m'est impossible de travailler pour l'État, je suis désolé de revenir sur mes propositions que je dépose ici. Nous avons aujourd'hui accès à Internet. Pour ce côté-là, si vous critiquez le président Biya pour l'Internet, je vous dirai non. Le seul fait qui nous permet d'avoir accès à Internet, c'est déjà un avantage. Pascal Pierre, pour que son cri de cœur nous parvienne, il a utilisé Internet. Il n'a pas demandé l'autorisation à qui que ce soit. Il n'est pas venu sur ce plateau, mais le fait qu'il ait utilisé Internet, nous sommes au courant qu'il y a des personnalités qui sont déterminées à torpiller davantage. Nous sommes en train de dénoncer ce comportement. Peut-être ça peut arriver auprès d'une oreille qui finira par dire que non, il faut faire quelque chose. Donc je dis encore à la jeunesse camerounaise, peut-être même aussi à certains vieux qui savent utiliser l'outil informatique, nous avons accédé depuis un certain temps à ce qu'on appelle l'indépendance monétaire. Mais beaucoup de personnes ne se rendent pas compte. Je le dis ici avec force. Le 3 janvier 2009, il y a une technologie qui a généré une crypto-monnaie qu'on appelle le Bitcoin. À partir du moment où le Bitcoin existe, on ne devrait plus entendre une personne se plaindre du franc CFA. On ne doit pas tirer sur un corbillard. Nous sommes dans l'indépendance monétaire. Essayons d'emprunter cette brèche et d'accéder à notre liberté. C'est possible. Patient Parfum d'Homme, on a souvent parlé de la conscience professionnelle. Il fut un temps où, dans les années 60, on nous faisait savoir qu'on faisait une enquête de moralité avant même que quelqu'un ne devienne fonctionnaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, attends, je rigolais un peu par rapport à la chute de Paul Quin. Bon, c'est un autre débat. Bon, écoute, moi j'ai connu
un vieux de malheureusement qui est décédé, qui était collecteur d'impôts au quartier. On est venu le faire un audit un jour, on a trouvé qu'il y avait un manquement, je dois, de l'ordre de 50 000, quelque chose comme ça. Il a fait 20 ans de prison. L'année sortie étant aveugle. 20 ans. Ça veut dire quand même qu'à une certaine époque, l'État sévissait. Mais depuis un certain temps, je peux du Nord expliquer. C'est-à-dire, posez-vous la question, faisons un peu travailler nos ménages. Qu'est-ce qui peut expliquer que les fonctionnaires camerounais aient le même comportement au Nord, au Sud, à l'Est, à l'Ouest, dans tous les secteurs d'activité de la fonction publique? Qu'est-ce qui explique ça? Ils sont nés d'une même mère? Ils ont la même tare congénitale? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est l'État qui pose problème. Le système. C'est le système là qui nous dirige. C'est lui qui est le problème. Pourquoi vous ne voulez pas le voir? Je vous dis, c'est un système qui est né dans la corruption, qui est né dans le tribalisme, qui est né dans le mensonge. C'est ça. Dans la violence. Vous ne voyez pas le type de violence que... l'histoire de Pascal Pierre, c'est la partie visible de l'iceberg, des déconvenus que les Camerounais subissent au quotidien. Alors quand ils veulent faire quelque chose de bien pour leur communauté, vous vous imaginez des gens qui en sont morts. Avec de bons projets, ils sont venus, ils étaient tout enthousiastes pour leur pays. Et au bout du process, ils sont butés à cette réalité. Beaucoup en sont morts. Donc je continue de dire que tant que nous ne changeons pas de régime, tant que ce régime-là ne ressaisit pas pour que change complètement, parce que le paradigme change, on va continuer à vivre ça. Peut-être que là maintenant, puisque l'affaire a été médiatisée, on va peut-être faire quelque chose. Vous allez voir 2 ou 3 jours plus tard, on va dire oui, c'est bon maintenant, c'est réglé, le bateau va arriver. Mais il y a encore la partie immergée de ces injustices qui va continuer. Parce qu'on ne peut pas changer un corps uniquement par la morale. C'est faux. Non, de toute façon, si ce n'est pas l'espoir et l'amour seulement qu'on prêche tous les jours, ça fait depuis 2000 ans qu'on attend la venue de Jésus-Christ. On prêche dans toutes les églises, mais on voit les comportements de tout le monde malgré ses prêches. Il faut des mesures coercitives. Il faut un État fort. Il faut un État au service de son peuple. Il faut un État qui sélectionne de vrais patriotes qui pour être à ce service-là. Et non, ce que c'est devenu. Tout le monde, si tu es les fonctionnaires, il s'arrange pour faire son nid quelque part, et paf, regardez dans la régie financière. Il a 2 ou 3 immeubles. Chaque fois que madame est enceinte, il faut que madame aille accoucher en Occident pour avoir la nationalité, soit américaine, soit européenne, etc. etc. Avoir des voilà. Heureusement, tonton Corona nous a rappelé à l'ordre. Vous voyez? Donc, je continue de dire que c'est une question que... consubstantiel même de la naissance, oui, tonton Corona. la naissance de cet État. C'est ça la réalité. Vous ne pouvez pas, vous allez, ça va être des discours, oui, moralisateurs, mais on va revenir. Le président n'a plus lui-même. Combien de fois n'a pas fait des discours? Il a dit, vous allez rendre, ces fonctionnaires, ils vont finir par rendre gorge. Mais les gens continuent de piller. On arrête les gens, c'est l'anecdote du gars qui assiste au palais de Douala à des procès. Il voit comment on condamne en cadence, n'est-ce pas, des gens qui sont dont on dit qu'ils ont volé. Et lui-même, à l'intérieur du palais, il fait des pickpockets. Mais comment vous expliquez ça? C'est pour ça que la loi doit être vraiment dure. Ceux qui l'appliquent doivent être des gens intègres. Qu'est-ce qui peut expliquer que, on a parlé de prison tout à l'heure, que des gens soient détenus en prison, pas en détention administrative, hein, mais ils sont détenus en prison, ils font 1 mois, 1 an, 5 ans, ils n'ont jamais, ils sont jamais passés devant un juge. Comment vous expliquez ça? C'est quoi? Donc je continue de dire et d'insister que dans ce pays-là, c'est la manière dont cet État est né. Tout à l'heure, Paul Kenga a dit l'indépendance est accrochée, c'est ce que nous appelons une indépendance factice. Nos parents, dans notre langue, disaient Koundessegui, et c'est la vérité. Oui. On ne l'a pas encore, c'est pour ça que je rigole quand il parle de Bitcoin, de Goodcoin, parce que... Nous sommes, cet État est l'émanation de cette violence, de cette corruption, de ce gros mensonge qui nous a fait croire que nous étions des États indépendants. Et que surtout, on avait des fils et des filles qui sont enfin au service de notre peuple. Pour qu'un c'est toujours dans notre... On est du même groupe ethnique. On dit, ouais, Seigneur, nous avons prié pour que vous nous donniez des prêtres noirs. Mais depuis que ces gars sont arrivés, ils sont encore pires que les blancs. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit.
Parce que l'éthique, la morale, ce qui a prédestiné, n'est-ce pas, peut-être je tape beaucoup sur la région aujourd'hui, ça peut arriver, ce qui a prédestiné à la naissance de quelque chose, oui, de cet état-là qui nous est tous commun, a été fait par le viol, par la violence, par le mensonge. C'est ça. Dans un autre état, les gens feraient les choses autrement. Je vois par exemple des Ghanéens, je vais même loin, même les prostituées ghanéennes, quand elles sont à l'extérieur, vous savez, leur hantise, tout fait pour amener à la maison. Et parce qu'ils sont sûrs que arrivés chez eux, ils vont trouver une administration qui leur ouvre les bras, qui leur donne des facilités pour que ce qu'ils ont pu piquer ailleurs puisse prospérer chez eux. Monsieur Parfait, au Mali, il y a toute une ville qui a été construite par la diaspora. Ah oui, mais bon. Donc voilà. Donc je continue donc de dire à nos dirigeants du moment de se ressaisir. S'ils ne peuvent pas se ressaisir, je suis désolé de le dire, ils seront balayés de moi à l'autre. Ils seront balayés parce que ça fait partie d'une réalité historique. On ne peut pas se contenter des gens aussi fourbes, des zouaves, comme l'a dit Pascal Pierre, éternellement. C'est faux. Il y a les jeunes qui montent là, une nouvelle génération qui trépigne, qui veut avoir accès au bonheur, au bien-être, à des conditions de vie meilleures. Ils n'accepteront plus jamais que les choses se passent comme elles se passent. Donc, à cet état-là, de pouvoir se reformer, si elle peut se reformer, j'en doute très fort, parce que les mentalités sont bien ancrées dans le subconscient de nos compatriotes-là. Vous savez, quand Sankara prend le pouvoir, il dit aux instituteurs, il faut qu'on reforme les choses. Ah, les gars commencent à bouder, disent que, ah non, tu comment, toi tu es venu. Il a dit que bon, ok, ça c'est simple. Il a balayé tout ça. Il a recruté de nouveau. Il dit, venez travailler. Il a bousculé la question de la dot au Burkina. Il a dit, qu'est-ce que vous voulez? Vous dites quoi? Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, c'est la tête de l'État qui monte, qui donne la direction, qui donne le cap. Notre président, il est issu d'une culture de la soumission, d'une culture de la collaboration, et excusez-moi le terme, mais aussi de la compromission avec l'étranger, au point où, pour que son État puisse résister, puisse durer, il faut qu'il ait des gens qui trouvent leur petit... Donc, cette culture-là qui s'est implantée. Et d'où cette manie de certains d'entre nous de dire, ah, vous critiquez trop, n'est-ce pas que tout le monde, l'État, c'est tout le monde. Je dis que non, l'État, ce n'est pas tout le monde. L'État, ce n'est pas toi. Parce que tu ne prends aucune décision qui va impacter dans la vie des Camerounais. Tu as peut-être, sur le plan pédagogique, le fait que tu es tout le matin sur ce plateau pour pouvoir... n'est-ce pas, donner du sens à notre rêve, en disant aux gens, on peut faire mieux, voilà, en essayant de tutiller, de lever les lièvres de gauche à droite pour dire que voilà l'État, qui font à ce que notre temps ne puisse pas avancer. Mais de là, à penser que toi, tu peux impacter, je dis non. Oh, au contraire, si notre État change légèrement de paradigme, vous allez voir comment la vie des Camerounais dans plusieurs domaines va complètement changer. Complètement. Donc, c'est à cet état-là de prendre ses responsabilités. Ça, notre chef d'État, s'il ne nous écoute pas, mais au moins que si ses collaborateurs nous écoutent, nous dit que les gens trépignent dans la rue, les gens trépignent dans le pays, ils ne veulent plus de cette gouvernance. Si vous pensez que vous avez endormi tellement les Camerounais que rien ne se fera, bon, je ne suis pas un devin, je ne dis pas dans une boule de cristal, mais je sais que les dynamiques sociales, quand cette injustice atteint ce niveau, les dynamiques sociales nous ont démontré que tôt ou tard, le couvercle de... Forcément, on va finir par exploser. De la cocotte va exploser, il n'y a rien à faire. Faustin Kamgué, jusqu'à peu de contraire, je parle de l'enseignement aujourd'hui. Vous êtes enseignant, on a l'impression également que les mentalités, ce n'est pas seulement la mentalité des fonctionnaires, il y a également le fait que la majeure partie des Camerounais, je posais encore la question là à quelqu'un il y a quelques jours, et il me disait, si j'ai mon matricule, c'est ça qui est d'abord le plus important, eh bien, je vais faire ce que je pourrais faire. Oui, c'est un problème dans notre pays. Lorsqu'on réussit à entrer dans la fonction publique, on s'y réfugie, on ne travaille plus et on sait qu'on a tous les 23 du mois, on va trouver son salaire. J'allais dire que diriger, c'est aussi sanctionner. Et lorsqu'on vous octroie quelque chose, vous ne pouvez pas avoir la valeur. Mais lorsque vous luttez pour l'avoir, vous pouvez tenir ça avec deux mains. L'indépendance nous a été donnée. Et c'est un sage chinois qui disait, il ne faut pas faire la guerre à une nation, à un pays. Il faut infester son système éducatif. Vous aurez, sur les 50 premières années, à la tête de l'État des hommes idiots et des hommes corrompus, et vous allez aisément
contrôler ce pays-là. Et c'est ce que nous, on est en train de voir aujourd'hui dans notre pays. Après 1960, nous sommes à 50 ans. Plus tard, nous nous rendons compte que ceux qui sont à la tête de nos États et gouvernements travaillent comme s'ils devraient partir, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme si le Cameroun était une location. Et que ils se sont arrêtés au Cameroun, et comme si le diable se baladait partout et faisait... Des Camerounais transis. Voilà. Donc, du coup, on n'a pas un projet. Nous passons du temps à discourir. Est-ce que la morale est encore dans nos salles de classe? Que non. Qu'on prenne le secteur public ou le secteur privé. Même si un enseignant du privé, il a 30, 40, 50 heures de cours. Et du coup, il a 2, 3, 4, 5 établissements qu'il doit faire en une journée. Ça veut dire que quand il arrive, il a 3 établissements. Quand il arrive, là, il doit vite faire son cours, ressortir, partir. Il n'a même pas le temps de connaître ses élèves. Si nous prenons les effectifs pléthoriques dans nos lycées, l'enseignant n'a pas la possibilité d'aller jusqu'à la fin et de pouvoir conscientiser, éveiller. On n'a même plus le temps, parce que quand nous étions encore plus jeunes, les professeurs prenaient 5 minutes pour nous parler de la vie, de la société. Et ça a forgé en nous une personnalité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On court après de l'argent. Pourquoi? Parce qu'on est sous-payé. Et on veut payer le loyer et autres. On n'a plus la chance d'être à l'école normale. Et du coup, quand on se retrouve dans le privé, on court derrière les établissements. On n'a plus le temps de bien faire. Il est donc temps. Même dans le privé, vous avez toujours la corruption, des parents qui viennent avec de l'argent pour trouver une place dans votre établissement? Ça dépend des établissements. Le privé, je l'ai dit ici hier, montre quand même au sommet du classement. Pas forcément. Au sommet du classement. Pour un parent, par exemple, qui sait pertinemment que son enfant n'est pas allé, par exemple, en troisième, mais décide quand même un matin de l'envoyer quand même en troisième. Oui, par contre, la conséquence, c'est qu'on peut avoir des très mauvais élèves qui sont surclassés à des classes sans niveau. Il y a des promoteurs d'établissement qui sont des commerçants. Je préfère utiliser ce terme-là. Et du coup, ils ont besoin de contenter les parents et ils octroient des notes vraiment... que les enfants ne méritent pas, fantaisistes, pour contenter le parent et envoyer l'enfant en classe supérieure. Mais ce n'est pas tous les établissements. Je l'ai dit que dans le secteur privé, quand on regarde le classement de l'OBC dans les 15 dernières années, on voit quand même que les établissements privés caracolent au sommet. Et j'ai dit, nous devrons faire retourner dans nos établissements scolaires. Mais privé confectionnel. Même privé laïque aussi. Parce que Conquête a été pendant longtemps quatrième. Vous voyez. Donc, revenons à notre sujet. Lorsque je disais qu'on doit faire retourner dans nos établissements, dans nos salles de classe, l'éthique, la morale, la science du bien, enseigner aux enfants comment se comporter. Combien sont-ils aujourd'hui les jeunes qui respectent même leurs aînés, même leurs parents? Donc, voilà. Ils sont très peu. Eric Pépin-Mikaï, on a l'impression également aujourd'hui, hein, quand on parle des fonctionnaires, on parle bien sûr de ce genre de comportement, que certaines personnes n'aiment pas l'ordre, ils vivent bien dans le désordre. Quand il y a le désordre, ils aiment bien. Le jour où l'ordre va arriver, ils vont très mal vivre. Oui, j'ai souvent coutume de poser la question de savoir à qui profite le désordre. Le désordre justement profite à ceux qui n'aiment pas l'ordre. Parce que quand vous prenez par exemple la ville, une ville comme Douala, elle brille par deux choses qui frappent l'entendement du citoyen qui y arrive. Le désordre. Il y a le désordre et elle est frondeuse. Mais en réalité, ce désordre et cette fronde-là profitent certainement à ceux qui sont chargés de pouvoir y mettre de l'ordre. Quel qu'en soit le cas, on trouve toujours les palliatifs pour que l'autorité puisse régner. Mais pas dans le sens que la société s'est fixé les règles. Ceci nous permet de pouvoir étayer notre argumentaire selon lequel on ne gagne pas à avoir ce type de système pour un pays qui veut se projeter. On ne gagne pas à vouloir guillotiner cet nombre de citoyens qui veulent rêver grand. On ne gagne pas à vouloir mettre à l'écart ceux-là qui veulent construire sur la base des comparaisons. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nos compatriotes ont voyagé. Et on dit que celui qui voyage apprend plus que celui qui reste sur le banc. Et cette sortie de Pascal Pierre est conséquente à la sortie de Charlotte Dipanda, qui, dans une interview dans une télévision concurrente à la vôtre, a parlé du Cameroun. Et tout ce qu'on a retenu dans cette interview, c'est qu'elle a utilisé l'expression « elle n'a que vécu dans le même système » et elle a utilisé l'expression « alternance » et « elle veut autre chose ». Mais elle a essayé de parler de l'anthropologie sociale du Cameroun. Parce qu'elle a dit, le Cameroun est un pays formidable qui compte plus de 250 ethnies,
Et ce qui est frappant, c'est que les Camerounais sont différents d'un endroit à un autre. Il a dit ceci, c'est que les Camerounais ne voyagent pas énormément à l'intérieur du pays. Ce qui est d'ailleurs vrai. Très vrai même d'ailleurs. Il fait une lecture digne des agrégés des universités. D'ailleurs, ils ne peuvent pas avoir l'honnêteté de faire cette lecture-là. Mais on ne retient pas ça. On retient parce qu'elle a parlé d'une expression athénoise. Est-ce que cette expression est devenue une expression kidam dans notre société? Est-ce qu'elle doit se faire guillotiner parce qu'elle a utilisé une expression que nous tous utilisons au quotidien dans nos chaumières, mais dont on n'a pas le courage de venir sur les espaces publics pour le dire? Est-ce que l'alternance ne peut pas être source de dynamique sociale? Parce que si un nouveau président arrive aujourd'hui, je peux avoir de fortes chances qu'il me nomme ministre. Je dis, je parle pas de moi en tant que personne. Mais toi aussi, pourquoi pas toi? Bon, mais qui sont derrière moi avec mes amis, sans ça. Je peux organiser également mon département ministériel de faire en sorte qu'eux aussi sous les doigts. Et ils m'apportent des résultats. C'est ce que les ministres actuels font. C'est-à-dire qu'ils travaillent avec leurs amis. Donc, moi-même, je prie que quelqu'un d'autre arrive et lui aussi, il jette son regard sur moi. C'est normal. Que toi aussi, tu te suces les doigts. C'est légitime. Non, c'est au-delà de travail, je vais aussi me soucier les doigts parce que. Non, je vais m'expliquer. Quand il dit soucier les doigts, ce n'est pas. Je vais expliquer. Je suis en train de dire que tout travail mérite un salaire. Oui, mais tu as un salaire. Voilà. Donc, dire que quand je dis que j'ai un salaire maintenant, je me soucie de mon salaire. Ce n'est pas une façon, je ne parle pas de. Non, l'expression, c'est l'expression. Il faut retirer ça. Je retire également les actions. Je perds également de me faire guillotiner. Oui, mais ça, c'est clair. Okay. Donc, c'est-à-dire, ce sont des dynamiques sociales. Les François Hollande n'a pas travaillé avec les lieutenants de Giscard d'Estaing. Il n'a non plus travaillé avec les lieutenants de Mitterrand. Il n'a pas travaillé avec les lieutenants de Sarkozy. Il n'a non plus travaillé avec les lieutenants de Chirac. Donc, c'est cet esprit qui doit habiter les dirigeants de l'Afrique francophone. Bon, maintenant, si on revient... Pas de l'Afrique francophone. Tout dirigeant. C'est en Afrique francophone que ça ne bouge pas. Faut qu'on se le dise et qu'on soit vrai. C'est en Afrique francophone, notamment en Afrique francophone centrale, que ça ne bouge pas. Et maintenant, si on revient à ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure, il faudrait justement que les uns et les autres comprennent qu'aujourd'hui, nous sommes en 2020. Et comme disait Paul Nkane tout à l'heure, il y a des nouveaux outils qui permettent aux gens de pouvoir passer un certain nombre d'informations. On a eu en 2018 une des élections les plus animées de l'histoire de la démocratie camerounaise. C'était justement dû au fait qu'on avait introduit un élément fondamental, les nouvelles techniques d'information et de la communication. Aujourd'hui, quand quelqu'un est offusqué, fâché, il peut utiliser cet outil et dénoncer une injustice qui s'est créée dans une société, dans une entreprise, ainsi de suite. Ça a été le cas de Pascal Pierre. Mais je suis en train de dire, et j'insiste dessus, c'est que les cas comme Pascal Pierre, il y en a énormément. Il y en a énormément. D'ailleurs, nous en avons eu sur ce plateau plusieurs personnes. D'ailleurs, Paul Nkane, il faut préciser par ailleurs qu'on se plaint. Il y a pas mal de choses qui ne marchent pas, en tout cas dans notre pays. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Oui, vous me relancez dans ce que je disais tantôt. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des gens qui ont croisé les bras. Ils attendent tout de Jésus-Christ, de Dieu le Père, de l'Esprit Saint, du président de la République et de ses ministres. Moi, Paul Nkane, je le dis encore, je n'attends rien de tout ce beau monde-là. Peut-être oui de Dieu, parce que je sais qu'il y a un être suprême par qui je suis venu dans ce monde. Mais je n'attends pas que l'État vienne me donner. Je me bats à mon niveau avec les outils qui sont en présence. Ce qui existe, je l'utilise. C'est pour cette raison que j'invite et j'exhorte une fois de plus tous ceux qui ont eu la chance d'aller à l'école, d'avoir la capacité de lire et d'écrire, de se mettre vraiment à la nouvelle école. J'ai rencontré un économiste dans un restaurant qui a voulu me dire que non, la crypto-monnaie, c'est... Je lui ai dit que monsieur, vous êtes la vieille économie, parce qu'il ne comprenait rien. Le monde a évolué, une métamorphose incroyable. Et c'est pour cette raison que je le dis une fois de plus. À ceux qui nous écoutent, une fois, il m'a été donné d'aller acheter quelque chose en ligne et j'utilisais ma carte Visa. Qu'est-ce qui se passe? On me dit qu'en 30 jours, j'ai excédé 1 million.
ça voudrait dire que je ne peux plus rien faire avec ma carte, alors que je suis en train de poser des actes qui vont me permettre de contribuer à mon développement et celui de notre pays. Parce que si je suis à l'aise, ça voudrait dire que je peux impacter positivement dans la vie de quelqu'un d'autre, dans le giron où je me trouve. Mais si moi, je suis déjà frustré, ça voudrait dire que je peux même, à la limite, bousculer quelqu'un et causer un acte délictueux. Alors, je dis une fois de plus ici, monsieur le journaliste, que nous devons utiliser ce qui est encore posé. Pendant que nous le faisons, nous continuons à bousculer pour que la porte s'ouvre grandement et que beaucoup de personnes en profitent. Mais je dis, ne vous croisez pas les bras, il est permis de rêver. Pasteur Parfait, donc pour sortir justement de cette émission, votre mot de fin. Je pense que on peut dire, ah oui, c'était aujourd'hui un tribunal pour fonctionnaires. Non, pas du tout. je vais même aller un peu dans le sens de, en disant, dans un autre sens, en proposant qu'il faut aussi quand même améliorer les conditions de travail des fonctionnaires. Parce que quand on regarde les bureaux de ces fonctionnaires, on voit dans la fonction publique, on voit leur salaire. Je crois que dans cette prière, pour nous qui avons été des catholiques de l'enfance, on dit évite-nous la tentation. Ouais. Mais il faut leur éviter la tentation. Vous ne pouvez pas donner ces salaires que ces gars ont en pensant qu'ils ne seront pas tentés de commettre des actes de corruption. Est-ce parfois, que ils sont fait... également frustrés, en colère oui. contre eux-mêmes. Par moment, j'ai l'impression que c'est fait volontairement pour qu'ils soient complices de la gestion. Mm-hmm. De ce système par le biais de la corruption dont ils se seront rendus compte, coupables. Donc, vraiment, il faut améliorer le salaire des fonctionnaires de la fonction publique. Il est impensable qu'un médecin gagne ce qu'il gagne et qu'il puisse faire son travail dans, vraiment, avec beaucoup de sans bon de cabron, c'est pas sans possible. Bon deuxièmement, tout à l'heure, l'ami l'a dit, excuse-moi, Kamge Faustin, il faut qu'on revienne à l'éducation au patriotisme. Dès le bas âge, il faut dire à nos enfants, dès le bas âge, que tu n'es qu'au service de ton pays. C'est seulement comme ça que tu seras respecté. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis avec la mort de Floyd, George Floyd, n'est-ce pas? Tué comme ça, Mondial Vision, on peut le dire, par ces quatre policiers véreux. Mais l'image du noir dans le monde, du moins de l'Africain en particulier, ne pourra changer que quand nous-mêmes, nous allons construire un espace où les gens ont l'impression qu'en fait, c'est les êtres humains qui y vivent. Et pour que cela soit possible, il faut qu'on ait des gens qui sont à la tâche, pour que cela soit possible, qui vivent dans des conditions quand même décentes. Nos fonctionnaires vivent très mal. Ils ont des salaires vraiment de catéchistes. Ce n'est pas possible. Il faut améliorer cela. Il faut une nouvelle éducation au patriotisme. Il faut donner du sens à la valeur. C'est seulement comme ça que nous allons réussir à tirer ce pays vers le haut. Et une fois de plus, je dis à ces fonctionnaires, à nos amis de la diaspora, à nos frères, ne vous découragez surtout pas. Continuez en tout cas à votre continent. Continuez de croire à ce Cameroun que j'appelle le plus beau pays du monde, parce que je le crois sincèrement. Chaque fois que je suis sorti, c'est le plus beau pays du monde. Chaque fois que je suis sorti de ce pays, après deux semaines, je vais rentrer chez moi. Vous comprenez? Malgré tout ce que nous subissons, malgré tout ce que nous, c'est le plus beau pays du monde. Quand je rentre chez moi et que je vais faire un tour de côté de Nginkan là-bas, dans la Sagama maritime, je me sens dans un petit paradis. C'est le paradis. C'est ici chez moi que je suis en pleine possession, n'est-ce pas, de mes facultés. J'ai l'impression que quand je suis chez les autres, il y a quelque chose qui m'est amputé. Donc vraiment, continuez de croire en votre pays, de croire en ce pays, de travailler pour ce pays, malgré tous les désagréments, malgré tout ce que vous subissez comme humiliation, parce que c'est aussi notre forme d'humiliation, mais sachez que tôt ou tard, avec votre contribution, avec la contribution de l'ensemble des Camerounais qui pensent que notre Cameroun est possible, je pense que nous allons hâter l'avènement de cette... Kamge Faustin, je vous dis merci d'avoir été là ce matin. Hein. Très heureux. Vous, rapidement. Oui, je veux conclure en disant qu'il urge également que le ministère des Relations Extérieures essaye de se réajuster. Parce que normalement, ce type de cas ne devrait pas arriver. Si on avait créé un département
en charge des questions de la, des problèmes de la diaspora. Ouais. C'est-à-dire c'est eux qui devaient faire toutes les démarches possibles d'être en sorte et surtout développer celui le pays. Qui a initié le projet ne vient qu'implémenter le projet sur le territoire. Donc vivement qu'on essaie un peu de mettre cet aspect dans l'organigramme du ministère des Relations extérieures parce que ça s'est fait aussi bien au Mali, au Sénégal que dans les pays comme la Guinée-Conakry. Pourquoi pas nous, pour nous au Cameroun? Parce que nos frères, nos compatriotes continuent à souffrir en entreprenant les démarches eux-mêmes. Et ils se font toujours escroquer, ils se font toujours voler. Merci beaucoup. Kam Gefoustin, merci en tout cas d'avoir été la nôtre ce matin. Passez un bon week-end. On vous souhaite le bonheur, hein, tout le bonheur du monde. Et Pepa Mikaï, merci également d'avoir été là ce matin. Passez un parfum d'homme. Je vous souhaite en tout cas un coucou particulier aux populations de l'Est Cameroun. Oui. Et je pense qu'ils ne perdent pas espoir. Qu'ils ne perdent pas espoir. Vous aurez votre bague. Ngoïla, qui était toute cette zone que je connais très bien. En tout cas, j'espère que vous irez en Ginkang et en passant par Iseng ce week-end. Paul Ken, merci également d'avoir été là ce matin. Merci beaucoup. Une fois de plus, mes félicitations, mes encouragements à Pascal Pierre. Mesdames, messieurs, c'est ici que j'achève cette autre édition de DBS Matin. Merci de l'avoir suivi. Mais n'oubliez surtout pas, l'homme qui considère sa vie comme dénuée de sens n'est pas tout simplement malheureux. Il n'est pas tout bonnement fait pour la vie. Au plaisir de vous retrouver lundi prochain. Restez sur DBS. L'information est en continu sur notre chaîne.